Vivre le décès d'un être aimé n'est déjà pas chose aisée. Mais alors devoir faire le deuil de son époux alors même que l'on est enceinte de triplé si est encore pire. Si est pourtant la terrible épreuve quoi dû traverser Laetitia Provencher, révélée dans l'émission Famille Nombreuse, La Vie en XXL. Aujourd'hui maman de 4 enfants, Nolan, 4 ans, et ses petites triplettes Amy, Lina et Noelia, nées en 2021, la jeune veuve tente comme elle peut de se reconstruire depuis la disparition de son mari Guillaume suite à un accident du travail. Pour ce faire, la mère de famille a d'abord décidé de dévoiler son quotidien de supermaman sur TF1. Puis, depuis peu, elle a également réappris à aimer. Dimanche 29 janvier 2023, malgré ses appréhensions, elle s'est emparée de son compte Instagram pour annoncer une belle nouvelle à sa communauté. En effet, il semblerait que l'amour soit de nouveau au rendez-vous pour la jolie brune. Aimer. Ce sentiment si fort et si inexplicable. Il y a quelques mois de ça, jamais je n'aurais pensé en être capable. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions, car ici je ne vous ai jamais parlé de l'existence de Tony, je vous explique maintenant. Sachez que certains de mes amis ou même de ma famille ne sont pas au courant, je sais que cela peut paraître fou mais je vous assure que la peur du jugement prend le dessus. Je sais que pour la plupart vous vous dites que j'ai le droit d'être heureuse, et en effet, si est-il le cas. Mais si est-il tellement difficile d'avancer dans la vie, d'arriver à accepter que j'ai le droit d'aimer de nouveau. A-t-elle légendé une photo où on peut l'apercevoir radieuse aux côtés d'un homme barbu ?